Le record est lancé, c'est parti. Oh, émotion, c'est la Cathy, on se retrouve sur le PBE pour tester Lucian, le nouveau rework de Lucian qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Je vais expliquer globalement. Donc, en fait, c'est un mini rework où ils ont modifié, enfin, ils ont plus ajouté des trucs sur les sorts qu'autre chose. C'est pas du coup un gros rework, c'est vraiment sur l'ulti où ça change le plus. Mais sinon, à part ça, le passif maintenant, il y a un nouveau truc qui fait que quand il se fait buff via un shield, un heal ou autre chose. Ses deux prochaines auto-attaques vont faire des dégâts magiques supplémentaires en fonction de son AD. Voilà, il y a un ratio AD là, c'est de vigilance. Et également, le Z, donc ça là, c'est la marque qui proc et qui donne le move speed, elle est aussi procable par un allié. C'est-à-dire que si je mets mon Z sur un ennemi et qu'un allié fait une auto dessus, ça va me donner la move speed. Et en même temps, ça va me donner deux stacks d'auto-attaques, donc c'est pas mal. Donc c'est fait pour que Lucian soit joué bot lane plutôt que mid lane. Ça lui rajoute vraiment des dégâts sympathiques en botlane. Et l'ulti, il scale plus. Enfin, le nombre de tirs ne scale plus sur le niveau de l'ulti, mais il scale sur la chance de crit. Ce qui fait que quand il a 100% de chance de crit, il a 25 tirs supplémentaires. Et par rapport à avant, ça fait 13 tirs supplémentaires quand l'ulti est niveau max. Donc en vrai, ça fait quand même beaucoup de dégâts supplémentaires. Bon, sur un build full crit, hein, il faut le jouer full crit si on veut le maximum de tirs sur l'ulti. C'est pas forcément le meilleur build sur Lucian, je crois. Mais on va essayer pour la vidéo là de le faire. Hop. Alors, faut que j'arrête de jouer avec mes pieds sur ma chaise. C'est une position que je prends par habitude. Et qui est vraiment... Je suis nul à chier quand je joue à LoL dans cette position. J'ai pas de bonne posture hein, vraiment sur... Jamais de posture incroyable pour jouer. Vraiment que je me trouve ma position. Trop grand pour mon bureau en fait. Je crois que c'est ça. Il y a le PC qui bouffe aussi de la place. Je me prends un plus grand bureau. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Hein. M'envoyer plein de thunes, j'adore l'argent. Pour améliorer le stream et aussi me payer à bouffer hein, plein de nourriture. J'aime bouffer, j'aime être gros. Voilà, voilà. La pizza, on aime bien. Qu'est-ce qu'il fait, silence? Ah ouais, mais là c'est du trolling, ça s'appelle. Bon, on a pu trade back un petit peu. En vrai, le trade est quand même win, je pense. Merde, j'ai atteint 16. C'est quoi leur jungler? C'est Shyvana, ouais, mais bon, ça va rien me faire Shyvana normalement. Ça va rien me faire. Ah ouais, mais vraiment, les botlanes par contre maintenant ont toutes tellement de range. La fois c'est quoi qu'on s'est tapé? C'était pas Caitlyn... Non, c'était Zig Seraphine je crois, ou... On passe niveau 2. Recule, recule, recule! Non, silence! Me troll pas! On respecte le niveau 2, ok. Qu'ils ont au secours. Au secours. Ok, il a son shield. Je pense, j'espère. Ah ouais. Bon, silence, il était plus concentré sur les games d'hier. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Oh, je me bouche. Je vais me faire karma là. Bon, avec Caitlyn, un flash Q. Là, j'ai mon heal. Il faut que j'ai le doigt sur le heal. Toi me shield dans le silence hein, à tout moment. Toi que tes shields sont plus importants que le poke là. Ah moi je peux pas follow hein, les potes, désolé. J'attends d'avoir un peu des items. Je vais sur les sbires là sinon. Je vous regarde hein. Il y a une TP carrément. Ah ouais, ils veulent vraiment me baiser hein. Ils veulent vraiment défoncer la botlane. Hein. C'est une cata. Ok, il grid pas. Casse-toi. Oh, ils sont chiants. Regarde-les comme ils sont chiants. Regarde-les. Ils veulent m'empêcher de bug pour Kata vienne en vrai. M'en fous. Hop. Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. De la D. Cobal AD. On va faire ça. Ok. Easy. Ok, c'était vraiment le... Ça passerait bien le move en early là. Safe silence, vas-y, go mettre des shields. Vraiment, quand tu mets des shields, c'est tellement worse que. Et ça en premier, et après, si on fait, garde tes Q et tes Z pour après.
En gros, tu mets un shield, tu réduis les dégâts que je me prends et en même temps tu me boostes mes dégâts, donc c'est vraiment le truc le plus gros à faire. Ok, bon, la Kata elle a perdu pas mal de CS sur sa décale, du coup elle a eu 0 kill. J'ai appris que personne soit mort, on s'est pris dans la gueule. La Katarina est niveau 222 et 160 000 points, sur le PvE donc. Donc vraiment il y a des gens qui ont pas de vie à ce point là quoi. Parce que bon déjà sur les serveurs live, ok mais... J'essaie de toucher, je suis pas incroyable sur Lucian, je suis pas incroyable en ADC donc... On va voir. Hop. Genre ça touche pas Séraphine là. Ah, bien joué au top. J'ai mis assez cher mais je me suis fait one shot par quoi là? Non mais Caitlyn avec deux épées longues, elle m'a one shot. Elle m'a mis un headshot à 240. D'accord. Et pourquoi pas. Ça se fait rework, ouais, un mini rework. Oula. Ah les gants quand je suis pas là du coup on a tellement moins de dégâts. Attendez j'arrive. On va te faire un truc, vas-y quoi. Reste là. Elle fait 2 kills, oula, il y a Kata. Monte farm là. Ok nice. Ok. Bon je prends un doublé pour deux kills encore aussi de leur côté je crois. Ou un kill. Peut-être un kill seulement. Ouais, donc on le voit le dégât supplémentaire quand on met un shield, ça fait une petite animation. Ah là le carquois je vais back en vrai. Attends moi c'est de façon safe silence, j'arrive j'ai beaucoup de gold. J'en profite. Fais gaffe Shyvana va passer 6 là. Et, ouais non on va faire ça c'est mieux. On va respecter. Ah. Ok. Yo Zertius, yo Mega, Mega Sonu aussi. Bienvenue, bienvenue. Donc. Elle fait le Drake. Ah, ils font le Drake. Pas qu'on puisse faire quoi que ce soit, ouais, non. Tant pis. Il l'avait déjà. Shyvana est niveau 5 encore mais elle devrait pas tarder à passer niveau 6. Claque pas tes ulti Q comme ça, silence, garde-les pour vraiment quand t'es sûr de les toucher. Les mettre de façon un peu random de loin comme ça c'est un peu gâché. Je tente, ah j'ai mon ulti. Ça c'est bien ça. Fais gaffe à Shyvana là. Je vais aller warder. J'espère qu'elle soit pas dans le bush. Let's go. Bien joué. Allez, petit boost là, petit boost de dégâts,
Les autos sont sympas. Et là, l'ulti, vraiment. Quand je vais avoir du crit, il va faire vraiment mal. Et voilà, quand je reçois un shit, ça fait un petit pfff dans le son. Je vais peut-être monter un peu le son. On entend un peu. La musique, on n'entend pas. Voilà. Voilà, là on l'a entendu, quand elle m'a mis la shield. Gratter une deuxième plate, je pense. Enfin, quoi que. Ah non, c'est chaud. Bien ça. Là, je touche pas. Vas-y, je vais back tranquillou. 1500 gold. Ça peut être bien. Bon, ils vont push, c'est chiant, mais tant pis. Hop. Là, je vais avoir vraiment beaucoup de dégâts sur mon ulti. 1300 damage. Donc là, il met 26 tirs mon ulti. Là où il en mettait 22 l'ancien. Parce que normalement, l'ancien, il augmentait le nombre de tirs au niveau 11, quand on pouvait remettre un point dans l'ulti. Là, il met 1300 de dégâts, quoi. Donc je mets toute la barre de vie des deux, en fait. Bon, c'était déjà plus ou moins le cas avec l'ancien ulti, mais en vrai, ça met quand même plus de dégâts qu'avant, je crois. On peut les vaincre. Elle a plus de heal, Caitlyn. Elle a plus de heal. Faut juste faire gaffe, c'est Séraphine à niveau 6, mais... par ça. Si je dodge l'ulti Séraphine, je pense que je peux all-in Caitlyn. C'est pas Wicata. Shiona, elle est pas back encore. What? Il s'est passé quoi? Bon, Wicata doit venir, je pense. J'ai pas de ward. Un peu risqué de push, mais on va le faire quand même. Non, c'est moi les mid. Oh, j'ai troll, j'ai pris l'ulti. Attends, mais l'ulti était invisible là, non? Ah ouais, d'accord. Je l'ai même pas vu. Je me suis dit, vas-y, il faut que je flash l'ulti de Séraphine, mais il était invisible, j'ai pas vu l'animation. D'accord, bon, tant pis. Ça arrive. Non, j'étais préparé. Lui, t'étais visible? Ah, mais j'ai vraiment pas vu alors. J'ai vraiment pas vu l'anime. Et je trouve qu'il y a quand même un petit peu des soucis de clarté et de visibilité dans LoL des fois. Avec toutes les autres bordels de Séraphine qui lui tournaient autour, j'ai pas compris que c'était son ultime truc. Oula. Un peu ballsy la cata, quoi. Ouais, j'ai envie d'aller mid vite fait, si elle reste. Si elle reste, parce qu'elle va peut-être grid la Thalia. Moi de la choper. Elle back. Non. Push la back. Ok. Ah. C'est grave. Ah, désolé mon pote. Toc. Il faut du crit sur Lucienne, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je crois, c'est sûr, même si on veut tester le build. Elle a balancé vraiment à bout portant. Ouais, mais je veux dire, enfin, le perso, elle devrait avoir une sorte d'anime spéciale vraiment qui détonne un peu du reste. Il y a beaucoup de champions qui ont ça quand ils ultiment, mais. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai juste pas fait gaffe et je loupe passer contre Séraphine, mais... Ouais, c'est dommage parce que vraiment dans ma tête j'étais prêt à flash le truc, quoi. Il faut que je fasse ça. Oh, la range au secours. Au secours, la range de Caitlyn. T'as d'ailleurs Caitlyn... Elle revient toujours pas comme elle est trop bien dans Agents of Runeterra, là, le jeu de cartes. Elle est trop stylée, le design est grave cool, merde.
Ok. Tac. Elle est où? Ok. Mon ulti met du combien là? 1500. 1500 dégâts niveau 9. Pas mal. C'est un mec qui fait check là, je peux faire des trucs. Bon. C'est pas le cas. En vrai, tu fais un ardente, je pense, silence, tu me mets très 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 bien. Tu fais un ardente et tu fais vraiment le, sub, le genre de support. Avec une Lulu, à mon avis, c'est encore pire, mais. Avec Karma ça peut être pas mal. Tu me colles au train et tu me mets des shields tout le temps. Oula. Alors j'ai pas de flash là donc l'ulti de Séraphine je peux pas trop le... Je peux le dash out quoi mais... Elle fait quoi Séraphine d'ailleurs? Ah elle est là, ok. Oh c'est dommage. Ah non j'ai pris un trap. C'est dommage, en vrai j'aurais tué Caitlyn là j'aurais pu la dashine. Hein? Oh là là, let's go, bien joué à toi. Mama. Ok bon ça on s'en fout. Ok. En fait je vois pas les. Je mets 30 dégâts supplémentaires sur les autos quand je me fais boost. Donc je mets 2. Je mets 60 dégâts de plus sur les trades. Non pas dégâts sachant que c'est cumulable deux fois. Je peux faire 120 dégâts supplémentaires sur un... C'est pas dégueu hein, pour un truc qu'ils ont juste rajouté à Lucienne qui était pas avant. Lucienne bot a vraiment un bon buff. Je pense que tu joues avec une Sora. Vraiment y a quoi qui met un heal et un shield. Sinon t'as Nami voilà. Avec Lucienne Nami à mon avis ça va être une dinguerie. Je disais c'est que Lucien d'habitude c'est fort en botlane avec des persos agressifs type Leona Brome et là il va être vraiment fort avec tous les supports. Support agressif il bénéficiera pas du buff. Si en fait il en bénéficiera quand il met la marque, quand il met le Z. Mais du coup il va être bon avec Yumi, il va être bon avec Nami, avec Lulu, avec tous ces trucs là. J'aurais vraiment si je veux vraiment opti les dégâts de l'ulti, je peux faire ça. Et non j'ai pas assez de stuff. Non mais si on aura non, juste faire ça tant pis. On va juste faire ça. Pendant une terra, tu trouves pas que la dernière poche du petit hors de la vidéo fait penser à la forêt où on voit Fiddlestick. Là où Caitlyn pointe avec son doigt, tu veux dire? Non, non, c'est Ionia. C'est Ionia. Ah merde. Moi je suis désolé. Je sais pas pourquoi j'ai l'ulti d'ailleurs. Allez, chope-le. Vas-y, arrêtez de flash. Je grid. Toi gridou. Là je suis buffé là. Caitlyn. Ah on les voit les dégâts magiques ça les met sur les tours aussi, ça c'est pas mal en vrai. Pas mal pour push les plates. 22 de dégâts supplémentaires sur les tours ça a mis. On va le démonter lui hein, vas-y go. Ah ça me... voilà sur le Shurelia ça me buff aussi mon passif. Ah merde il est là. Je l'ai fait. Voilà tranquille. Oui. Chope-le. Si on peut go la cata avec l'ulti de Skarner, c'est pas mal. Hein?
chope-le. Hop, easy. Les dégâts de l'ultime. J'ai mis combien? 1600, ouais. On sent les résistances, hein, mais... Je joue Christian. Oui, exactement, Ruzan. Lucian est mort, je l'ai tué. Hop, l'ulti niveau 2. 2000 de dégâts. Ah. Merde, j'ai un peu trollé. Avec ma guild force pour rien. Yo, Obiteria. Alias le vieux corbeau pantouflard du Canada. Oh putain. Oh putain. Ah, attendez. 2029 de dégâts, je prends du crit. Hop, 2565. Oh. Ah. Oui. Attends, je reprends du crit. 2865. Et je prends de l'AD. 2700. Donc le crit est plus value que l'AD, hein. Parce que là, c'est, j'ai payé plus cher. Mais bon, l'AD, c'est quand même mieux pour les autos et tout, mais... Le crit donne tellement de dégâts sur l'ulti, c'est fou. Là, juste la cape, elle donnait 200 ou 300, je crois. 15% de crit. Ouais, c'est ça. Pas dégueu. Pas dégueu, Tsu. Le Carapax. Hop. Là, j'ai un shield de karma, je suis un dieu, en fait. C'est incroyable. Je reste tout le temps collé à karma, en fait. Je suis collé. Je suis coincé. Oh. Voilà. Katarina. Je me laisse un peu emporter, mais ça, c'est pas grave. Il y a tellement pas beaucoup de cooldown, l'ulti, il a un peu plus d'une minute. 75 secondes. C'est fine. Shield de moi, silence. Shield de moi. Shield de me. Je vais lui mettre des gros dashines à la Caitlyn. Oula. limit testing. Non, tu peux stack le passif deux fois si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas que tu stack le passif. C'est un truc supplémentaire en plus du passif des doubles auto-attaques. T'as un passif qui fait que quand tu reçois un shield ou un heal... Ou un Shurelia, ou n'importe quoi qui te buff en fait. Genre le E de Nami qui augmente les auto-attaques. En fait, tu vas augmenter tes auto-attaques pour qu'elles fassent... Tes deux prochaines auto-attaques font des dégâts magiques supplémentaires. Là, en l'occurrence, c'est 37 dégâts. Donc, c'est en gros, c'est un nombre selon ton niveau, plus 10% de l'année. Et c'est stackable deux fois. Donc, tu peux faire 4 auto-attaques amplifiées si tu reçois 2 buffs et qu'après, tu go in. Et c'est vraiment pas dégueu, hein. Sur le total des dégâts sur une game, je pense que c'est pas dégueu. C'est pas mal. Et après, bon, l'ulti aussi... Merde, j'ai pas acheté stuff. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même prendre l'AD. Hein. L'AD fait trop de dégâts sur les autos. Et après, on va prendre les petites... la petite IE. Il me manque 1000 gold. Dans 1000 gold, je vais avoir un ulti, mon gars. Il va mettre... Il met déjà 3100 de damage. J'ai envie d'essayer d'ulti Séraphine, genre. C'est la plus explosée de la game. Il y a Shyvana aussi, mais elle a un peu de PV. Séraphine, je peux vraiment la trouer. Et que je me mette dans un bush qui soit pas wardé. Et que je one shot Séraphine. Un petit bush là. Oh. Ouais, y a des golems, c'est chiant. J'ai envie de mettre un gros ulti hein, sur quelqu'un.
Kata, Kata, elle est en 3-3. Il y a un red buff, attendez, je vais chercher le red. Ok. Ils s'attendent tous à ce qu'on soit là en fait, donc ça sert plus à grand chose. Oh. Ok. Pas mal. J'ai pas trop d'occasion de mettre mon ulti en vraiment full tout droit one shot, mais on a une idée. Par contre, Seth il push un peu beaucoup là. Il a battu nos yeux là. Ça, j'ai regardé les histoires de champions et c'est ce qui m'a donné envie de jouer au jeu maintenant. J'enchaîne les loots solo queue, merci. Ça, mais c'est à dire qu'il y a des gens qui tombent sur les histoires de champions sans connaître LOL. Donc il y a l'algo, des fois il recommande les histoires de champions des gens qui jouent pas à LoL, c'est marrant. C'est ça, c'est ce qui t'est arrivé à Koums? Il y en a Jean-Michel 7. Est-ce que je le reviens? Quand même. J'aurais pouvoir. Ah, oh, il casse les couilles. Viens là. Il a pris un peu de dégâts, je sais pas combien. Alors heureusement que c'est de ses baleines du coup par contre, mais après j'ai un peu pris le truc en plein dans la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas l'algo, c'est un pote à moi qui m'a proposé cette vidéo parce que le lore des jeux m'intéresse trop. D'accord. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui change sur Lucianne? Alors, je vais mettre la vidéo sur YouTube donc... Vous verrez en vrai, en vrai ça fait 15 fois que je l'explique. Mais en gros oui, dégâts supplémentaires en plus sur le passif quand on te met des heals ou des shields pour qu'il soit joué plus en botlane avec un support. Son Z peut, la marque du Z peut aussi être proc par un allié sur les ennemis, donc ça te buff toi ta move speed et ça te donne des dégâts supplémentaires sur le passif quand un allié proc la marque. Et ton ulti scale sur les coups critiques maintenant, le nombre de tirs, et pas sur les... je sais plus quoi. Sur les niveaux. Ferme ta gueule Rimuru par contre. Hop. Il met du 3750 quand même mon ulti là. Qui met plus de 2 fois ma barre de vie. Toc. J'ai envie d'ulti Kata juste pour voir, mais il y a trop de sbires à trop de trucs. Vous le tuez quand même cette fois. Nice. 7 fois lol. C'est la 7ème mort donc c'est... ça compte. Ah, là vous avez vu, j'ai mis 25 x 3 en dégâts magiques sur la tour. Allez, on tue les sbires là. La Shyvana elle vient, je la tue. Toi c'est quoi le skin? C'est Arcana avec un chroma vert. Il a un chroma blond aussi, mais j'aime bien Lucianne le blond. J'aimerais trop, en vrai vas-y silence, essaye de choper Shyvana avec ton Z. Comme ça genre la stun et comme ça je l'ulti. Genre les dégâts de l'ulti. Faut voir à quelle vitesse je tombe. Je tombe les méchants. Je crois que je one shot les Drake en vrai presque. Que quelqu'un se fasse lock. Si tu le dis Skarner là en vrai. Ouais, il a disparu, on n'a pas eu le temps de voir le full damage. Ça c'est chiant. Non. Non. Putain, je me suis fait cesser. Dommage, j'ai pas eu le temps de flash out. Bon, globalement, meilleur laning au bot qu'avant. Genre, ils ont juste rajouté des dégâts au bot. Et 4000 dégâts. Je vais essayer de one-shot le Drake avec mon ulti en vrai. Je sais pas si je one-shot. C'était déchu. Mais il a pas déchu.
Il joue en face ou bien. Je pense qu'il. J'ai l'impression qu'il joue pas. J'espère qu'ils ont pas FF, j'aimerais bien one shot le Drake. De toute façon, après, j'ai vu Vandiril, il a fait des vidéos dessus. Il peut one shot le Drake quand il est full. Après, il me manque 25%. Comment ça se fait qu'il manque 25% d'ailleurs? Ah, il manque 20%. Oui, il va manquer un item. On est pas en giga late game. Et là, je tire 41 shots. Je crois que c'est déjà plus. Oui, c'est plus qu'avant. Je crois que le maximum, c'était 37. Non, c'était 30. 34, ouais, 34 shots c'était avant. Donc déjà à 4 items crit on fait plus que niveau 16. Et là, ouais, là je suis même pas à 80% en fait, j'ai pas encore l'item complété. Est-ce qu'il y a des gros... Vas-y, t'as Skarner full tank qui est en 6-0-6. Va donner un petit kill là. J'ai même pas encore l'ulti niveau 16, donc niveau 16 il augmente encore les dégâts de 15. 15 par shot. Et oui, Jill. Attention. Ah non, ok. C'est moins que ce... Ah mais ils ont enlevé le... Ah mais c'est pour ça. Deals de 100% damage to non-champions, mais là c'était vraiment pas le cas. Là le dragon il a pas pris 200% de damage. Il a pris moins de 4000 alors qu'il a... Alors qu'il était censé prendre deux fois plus de damage. Je pense qu'ils ont enlevé le truc sur les Drake, ou alors c'est buggé sur le PBE, mais avant on pouvait one-shot le Drake avec. Ça me paraît bizarre là que j'ai pas pu le one-shot. Ou au moins lui mettre mid-life. Est-ce qu'on peut go la petite Kata? Vas-y, booste-moi là. Oh, je l'ai pris, dommage. Des trucs. Elle a FK la Shyvana ou... Ouais, elle a FK depuis tout à l'heure, c'est bien ce qui me semblait. On la voyait plus. Bon, vas-y, on va finir. Écoutez, on a vu. On a vu ce que faisait le pic. On s'était joué un peu vu là. C'est vraiment pas dégueu en botlane maintenant, Lucianna. D'accord, vous avez bien attendu que je sois mort en fait pour pas finir la game. Deux trollers. Aïe aïe aïe. Bref, bah voilà. Écoutez, on a vu le petit rework. On a vu une bonne game enfin. C'est plutôt cool. Je pense que le perso va être plus joué au bot qu'au mid maintenant, parce qu'au mid c'est vraiment du trollin. Les Lucian mid, avant même quand ils étaient... Parce qu'en fait, à très haut elo ça jouait parce que ça pouvait bully les lanes et tout, mais à plus bas elo, les gens jouaient Lucian mid, ils allaient push faire un kill, et après ils allaient se faire détruire, se faire full gank. Et ils puent la merde. Bref. Voilà, voilà.